Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Spider-Man PS4. Donc nous devions aller dans l'entrepôt de Fist en fait. Donc bah écoutez, c'est parti, hein, on est à quelques mètres. Hop, on va aller à l'endroit. Alors, on va se changer, on va aller dans les locaux. Peter, si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça, autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Bon, ok. On va aller dans le bureau, on va aller chercher des documents quoi. Parce que pour rappel, Monsieur Lee est donc membre des démons. Même le chef d'ailleurs. Comment je fais pour rentrer? Bah t'es Spider-Man quoi, non? Je sais pas. Passe par une vente. Voilà. Ouais, c'était discret ça. Par contre c'est stylé en tant que civil là. J'avais encore jamais vu cette pièce. Ouais. En tant que civil. Ah ouais. Wow, c'est quoi ça? Bah ouais. Des lignes de tension? Pourquoi autant d'électricité? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de Monsieur Lee et il est injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne veux pas. Je peux pas vous donner sa clé, ben oui. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Les parents de Lee. On dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cadre. Effectivement. Je croyais que les parents de Lee l'avaient abandonné. Effectivement. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux? Il a peut-être menti. C'est l'histoire de fantômes que son père lui lisait. Et puis les masques. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Ouais. Souviens-toi, disait William, seule l'équipe te permettra de contrôler la puissance du démon. Sans équilibre, le monstre s'attaquera à quiconque essaiera de le contrôler. Ok. Il y a une note là. Hop. Nos histoires vont suivre. Ce message est pour May. May, histoire du fils et de notre temps. Notre histoire est toujours encore une autre mission. Alors ne laissez pas mes échecs remettre en question ce que nous avons construit. Il apprécie réellement, mais... Ouais, ça c'est clair. Je pense qu'il risque rien. Non, risque rien. Bon, la clé, là. Le journal ah, de Lee. La clé. J'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. Les armes de fils qui les exposent. Faut y renvoyer tout ce qu'il aime détruire. Ouais, bon, en gros, oui, voilà, il va se venger de fils. Déchiré. Il va se venger de fils. Il avait dû agir malgré lui. Ok, bon, vite. Hop, ouvrir. Une sorte de serrure à énigme. Oh là là, ça y est, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, c'est quoi ce délire? Ça a l'air bon. Comment ça t'a l'air bon? On sait pas, c'est quoi ce délire là? Ah, je vois. Bah, moi je vois pas, moi. Je sais pas ce que je fais, je vois pas. Ah, ok, ça y est, je vois. En fait, c'était simple. Ah, bah oui, bah c'est la salle de bain, non? Ah, ouais. Qu'est-ce que vous cachez?
Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. Moi, je suis pas d'accord, mon pote. C'est flippant. Ah oui, les amis en négatif. Ouais, c'est ça, c'est... Y'a rien d'autre, tac 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 tac. Wow. Le dossier, bien sûr. C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. Ouais, bon, on va le garder. Ça c'est fait, on l'a gardé. Et puis voilà. Ah, pas de chance. C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Bon bah ouais, ok. Ah oui, d'accord, non mais tu veux que... D'accord. Voilà. Tac. Tac. Il y en a un autre, non? Il est où? Il est où le dernier? Il faut que je grille ces boîtes de dérivation. Ouais, j'avais compris jusque là, mon pote. Encore une. D'accord, fallait juste le faire plein de fois en fait. Si la police avait trouvé ça, ou mais, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Ah, par contre, je voulais juste examiner ça. Lee transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégner de son pouvoir? Ok, par cette grille au sol. Ouais, prends le sabre. Pourquoi tu le prends pas? Lee est obsédé par les masques. Un truc de psychologie jungienne. Devenir quelqu'un d'autre pour évacuer ses instincts les plus sombres. Il s'est pris pour un démon. Juste en devenir un. Bon, comment je sors de là? Bonjour, Peter. Ah, Monsieur Lee? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Martha, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Un petit message caché. Bon, je dois y aller. Tu me menaces? Tu me menaces? Vas-y, viens là. Dès que j'aurai terminé. Ah bah tiens, regarde. Non, non, non! Voilà. Maintenant faut y aller là. Ok, bon. Capitaine Watanabe? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça? Et quand? J'en sais rien. Mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, Peter. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que... je suis un peu occupée, là. Elle est aux toilettes ou quoi ? Autour d'un dîner, chez moi. Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super. À toutes. Attends. Tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Ouais, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? Ça me dit pas que je vais faire les courses quand même. Ah. Oh, bonjour docteur, comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Viens vite au laboratoire. Maintenant ? C'est le moment décisif. J'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Sérieux ? J'ai un dîner, mec, là. J'avais un rendez-vous, là. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour, juste quelques minutes. Attention, des individus attaquent un véhicule blindé. Rendez-vous dans le nord d'Houston, terminé. Honnêtement, Triple J, j'ai pensé que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne m'a pas écouté. Et je pense pas que ça changera. À moins que des citoyens engagés, comme vous et moi. Alors nous voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut le pépère ? C'est parti. Donc on est dans le labo, hop. Octavius Bonjour, Industries. Docteur. Bonjour Peter, je suis à toi tout de suite. Ah ouais, faut regarder les travaux de tout. Okay. Je vois qu'il y a du nouveau. D'accord. Où vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. D'accord. Ah oui, le fameux bras, c'est vrai. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus ? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt ? Ah. Ah, c'est chouette ça. Y a un problème ? Oh, dommage. Ah, bon sang ! C'est de ta faute, Norman, espèce de seul ! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test.
Dites, je veux pas être indiscret, mais... Vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Ah c'est ça, faire du café. Laisse-moi tranquille. Ah et nous on passe à la technique, alors... Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Ok, on va faire un diagnostic. Il y a peut-être un courju. Alors, voyons voir comment il fonctionne son truc. Pas top. Ouais. Je dois dévier ce circuit. Ah ouais. Hop. Alors, on sait pas combien il va me falloir pour le moment. On va mettre ça comme ça. Tac. D'accord. Bah si, j'ai pas le choix, il va falloir mettre ça, hop. Ensuite ça, comme ça, tac. Ah, ok, donc comme ça. Ensuite... On va se mettre du... En attendant, on va mettre moins 3, je verrai après... Ah non, c'est pas le bon. Ah non, c'est pas... Voilà, là c'est le bon. Comme ça... Comme ça. Pop. Attends. Je peux pas l'enlever ça ? Ah non, je peux pas l'enlever. Alors, dans ce cas, on va faire ça. Est-ce que je peux faire ça comme ça ? Ah ouais, mais je peux pas bouger ça. Oh, je peux pas bouger ça, punaise. Et ça, je peux pas le pivoter non plus, logique. Pop. Ah mais je peux pas remplacer. Je ne peux pas le remplacer. Comment je peux faire? Donc tac, on est passé par là. Jusque là je pense qu'on est bon. Où est-ce que je me suis... Oh, il y a un truc qui va pas là. Je partirai. Je peux tout retirer. Ah, je partirai. Ah. Et je peux le retirer, voilà, tout simplement. Je suis bête. Oui, non, mais attends, mais même si je le retire, de toute façon, je peux pas le mettre. Bah si, il faut... Voilà. Ça et ça, on va le prendre. On va faire ça comme ça. Mais non, ça va pas aller. Ah mais j'ai pas le choix, je suis obligé de passer là.
ça c'est obligé d'aller comme ça, ça j'ai pas le choix, ça c'est sûr. Par contre, on va faire un truc comme ça, on va faire... Est-ce que je peux le faire? Ah mais voilà, je peux le faire pivoter déjà. Donc ça on va le retirer. Ça on retire, on retire. On retire. Là, on va mettre ça. Voilà. Ici, on met ça. Comme ça, voilà. Ça, on retire, et là, on va mettre ça, comme ça, ok, et maintenant, tension actuelle, G7, ok, G7, c'est là, ok. Voilà, parfait, punaise, c'est 3 plombs pour faire ça. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. On a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien, je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Ah, c'est parfait ça. Bon, voilà. KDMJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton tour. Ok, cool, la SCU. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah c'est parfait ça. Eh, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner? Le dîner? Ah, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon? Ok, j'aime vivre dangereusement. Cool. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Ok, bon, et bah écoutez, on va se quitter sur cette petite fin, on explorera la suite. Bon, la mission va arriver comme ça, d'un coup, là, la volée, quand on va se balader ou alors il y a un chrono. En tout cas, on fera la suite de la trame principale dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à plus, salut, ciao ciao!